Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play qui sera sur Darksider Warmaster Edition qui est sorti sur Steam il y a très peu de temps, je dirais, il y a une semaine, je ne saurais pas dire exactement, mais pas loin de début décembre, fin novembre. Et donc on va tout de suite commencer une partie sur ce premier là en mode normal. Donc je préviens déjà, désolé pour le manque de vidéos sur la chaîne qu'il y a eu pendant ce mois tout entier, il n'y a pas une seule vidéo, c'est. J'étais assez occupé niveau travail, etc. Donc on en reparlera après. La nuit des temps, les armées des cieux et des enfers se livraient une guerre sans fin. Le Conseil Ardent se retrouva mêlé au conflit. Cette entité tenue par d'anciennes lois pour maintenir l'ordre et l'équilibre statua que toute grande puissance non maîtrisée constituait une menace contre l'univers. Avec le temps, les cieux et les enfers honorèrent le Conseil et ses lois, car nul ne pouvait échapper à la prompte et terrible justice des envoyés du Conseil, une redoutable confrérie connue comme les Quatre Cavaliers. Dans cette agitation, les premiers humains apparurent. Le Conseil pressentit que ces créatures faibles mais rusées constituaient un élément essentiel de l'équilibre. Ainsi, un troisième royaume fut créé, le royaume des hommes. Sur ordre du Conseil, une trêve fut conclue entre les cieux et les enfers. Le grand pacte fut marqué de 7 sceaux, qui ne devaient être brisés qu'au moment convenu, quand le royaume des hommes serait prêt pour la guerre ultime, le combat qui rétablirait l'équilibre et déterminerait le sort ultime des trois royaumes. Ok, donc la première chose à dire, mes oreilles, bon dieu, désolé si le son est un peu fort, je vais devoir le baisser de mon côté. Alors, option... Non, ça c'est la voix, ça on peut le laisser, c'est les vidéos, c'était un peu fort. Ok, donc j'espère que vous avez bien coupé le téléphone parce que moi oui, alors quand même, je me sauvegarder vite fait. «
Donc j'espère que vous allez bien, vous pétez le fond parce que oui. Donc oui, désolé pour le mois de nos vidéos sur la chaîne. Comme je dis, j'étais assez occupé. Ça arrive quand on a du boulot. Donc on va essayer de reprendre un rythme assez normal, au moins une vidéo tous les deux jours, on verra bien. Je travaille tous les jours maintenant, lundi au vendredi. Donc pour cette première vidéo ça va être du 30 fps et la prochaine j'essaierai de voir si je peux faire du 60. Donc on verra bien. Donc j'avais déjà fait le 2 mais je n'avais jamais fait le 1. C'est très très bien. Ça me permettra de le découvrir. Et aussi peut-être espérer un jour le 3. Et le 4. Guerrilla, oui c'est le nom de personnage, l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Que vous avez vu dans la première cinématique. Donc j'espère que vous m'entendez bien, je ne sais pas quel est le son pour le moment. Le jugement approche. Donc là bien sûr comme dans beaucoup de jeux on commence avec tous les pouvoirs puis on les perdra après hein, parce que sinon ce sera un peu pété. Le golem se lève. Donc c'est normal, ces graphismes sont un peu vieillots hein. Le jeu il date quand même et ils ont bien fait pour remaster hein. Ils n'ont pas fait trop mal. Il en fait pas trop mal, pardon. Youhou ! Sonic ! RB pour Dash. Ouh, le beau glitch. C'est ce combo là. On reste appuyé sur X et ça nous fait bondir l'ennemi. Et nous avec. Où est-elle? Pas par là. Là-bas. Ouais, je la vois. Et on monte. Ça va, c'est assez fluide et tout. Ça fait quand même un bon moment que j'avais fait le 2 sur la chaîne, hein, mais bon. Il est pas. J'avais trop tôt. J'avais trop tard plutôt. On appuie sur pour avancer un peu plus vite, ça. On saute et on dash peut-être. Ah non. Il y en a un seul par terre.
Donc là pour le moment je connaissais un peu ce début là, mais après je... Sinon au lieu du 6A on peut faire RB aussi, d'accord. Donc pour attaquer X et B sur une manette, hein, bien sûr, pour attraper B. Tout maîtrise plus qu'un au fil du temps, c'est le tuto, c'est normal. Donc on voit les barres de vie en haut, un crâne est égal à une barre de vie. Je pense qu'ils ont rajouté autre chose dans les graphismes dans la version remaster. Désolé, j'ai un peu du mal à parler. Youhou! Ça slide. L'un des quatre! Mais où sont ses frères? La justice est proche! RT pour lancer. Ouais, où sont les trois autres? Vu que normalement on est censé être les quatre à être appelés. Et où sont-ils? Que se passe-t-il donc entre les trois rayons? Pour le moment on avance, comme on se doit, on suit le chemin. Et on dash. Nom des cieux, qu'as-tu donc fait? Je réponds à l'appel. Beaucoup toi. Le mec, on dirait un bâtiment, quoi. Et on va avoir une caisse.
Oui, oui, je sais. Tu pues du bec. Il est gueule. Allez. Voilà. Oui, c'est ça. Et voilà. Ça c'est fait. Qu'est-ce qui se passe? La loi a été brisée. Tu l'as été, cavalier. On est mort, voilà. Fin de la game. Fin du jeu. La loi est claire. Si le septième sceau est brisé, quatre cavaliers seront envoyés pour punir les traîtres. Qu'ils soient fils des sommes, seigneurs des cieux. Créature des enfers, ceux-ci seront jugés sur terre et un nouveau pacte sera conclu. Vous avez enfreint votre mission, cavalier. Vous avez enfreint la loi. Personne n'a été appelé, mais le destructeur s'est avancé et vous avez été trouvé là, sous la bannière des ténèbres. Si ces accusations sont vraies. Au diable, vos accusations! Les sceaux ont été brisés. J'ai été appelé. Alors où sont les autres cavaliers? Ne devraient-ils pas avoir été appelés? Les sept sceaux sont cachés. Depuis le moment où le pacte a été conclu, il y a une éternité. Tous étaient un pacte. Personne n'a été appelé. Vous avez aidé les forces des ténèbres. Vous avez brisé un contrat sacré qui a condamné l'humanité et qui a mis en péril l'équilibre. Le niez-vous? Quand je suis arrivé, les cieux et les enfers étaient déjà en guerre. Abaddon était là. Il savait quelque chose. Abaddon est tombé en combattant le chaos que vous avez déclenché. Je me suis battu impuissant face aux démons. Et pourtant, vous m'accusez. Votre défaite ne prouve rien. Le destructeur vous a probablement laissé tomber quand il en a eu fini avec vous. Vous avez profané la loi, cavalier. Vous devez être puni. Je ne suis au service que du Conseil. J'œuvre pour l'équilibre. Il en a toujours été ainsi. Renvoyez-moi. Je veillerai à punir les coupables. Comment? Quelle est votre chance face aux armées du Destructeur? Vous êtes impuissant. Alors j'échouerai. Et les démons auront mis votre sentence à exécution. Très bien. Nous allons vous renvoyer sur Terre. Mais nous garderons un œil sur vous. Approchez. Ne l'oublie
Le conseil ardent. Donc la terme se trouve ici. Cette lame menaçante a soif de destruction. Yay, notre arme. Arigato. Geyser de lame. Bouge le curseur, voilà. Essence de vie. Reste une partie de la santé de guerre. Ok. Une de nos armes, des artefacts, notre personnage. Les âmes des morts seront votre monnaie d'échange. Oups. Certains ennemis sont plus faciles à acheter qu'à tuer. Tout à fait, mon cher. Traite-t-il avec les démons? Depuis que la trêve a été rompue, certains démons ont été bannis par le puissant destructeur. Vulgrim fait partie de ceux-là. Il nous réclame une audience depuis longtemps. Depuis combien de temps suis-je ici? Oh. On est là depuis très très longtemps, on dirait. On dirait que le voyage n'a pas été très plaisant. Passez vite, cavalier. Jusqu'à nouvel ordre, je suis ton seigneur et maître. Quand je dis aboie, tu aboies. Quand je dis assis, tu t'exécutes illico. Et si je dois te punir, tu n'as pas intérêt à montrer les dents. C'est clair. Je devrais peut-être t'apprendre à faire le mort. Le guetteur, il va m'énerver, lui. Oh, je suis trop pour qui? Trouver le démon Vulgrim. On continue encore un peu, on a le temps. Le conseil t'a ordonné de trouver Vulgrim. Alors va chercher. Je te coupe en rondelle, toi, tu vas voir. Y'a rien d'autre? Non. Ok, bah allons-y. Quelque chose ici ou pas? Non, flûte, pas ce que je voulais faire. Monter n'est pas si difficile pourtant. Ah, flûte. Tu peux pas dash en l'air, non. Sérieux?
Ah là 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 là, comment je vais passer? Telle est la question. Suis-je déjà coincé? Non, quand même pas. Ah oui, c'est vrai, c'est là. Ah, nice. Bien, très réactif. Oui, il est tout beau. Ils sont tout beaux. Il est la lame. Guerre. Tu ne fais pas les présentations. Par contre, ouais, les épées qui prennent plus de temps à. Qui prennent plus d'un coup à trancher comme ça là. J'y crois pas trop. Hein. Ok, quand on l'attrape directement, oh j'aime. Ok. Je ne sais pas s'il y a des objets secrets à ramasser dans le jeu ou quoi. Absolument aucune idée, on verra bien. Pour l'instant que je fasse ça, ça n'apporte rien. Oh, un gros. Il est tout beau. Et il explose. Par ici. Hein. Ok, je vois. Rapide de les tuer comme ça. Plus ça redonne un peu de vie. J'ai ramassé la chaise, flûte. Boum. Boum bada boum. Tiens, 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 un coffre. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu ces coffres-là. Alors que je me refasse le dos aussi de mon côté. Yeah, coffre de vie. Y a pas une carte. Ah si. Le monde, les stats.
L'astuce. Allons-y. C'est bon. Là y a rien. Faut encore monter par ces. J'ai oublié le nom déjà de ça. Ces infections, on va dire. Un costaud. On se régène. Bam, 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 bam. Nice. Et c'est 10 parts. Yeah, merci de me bloquer le passage. Vous êtes gentil. Voilà. Croiser les chemins. Combien de temps j'étais absent? En temps terrien, environ 100 ans. Assez longtemps pour qu'il n'y ait plus âme qui vive par ici. Alors, le troisième royaume est perdu. Subtil. Je ne t'ai presque pas entendu arriver. Vulgrim. Le conseil a enfin considéré ma requête. Dans ce cas,
Il est sûrement pas venu les mains vides. Si oui, tu peux repartir d'où tu viens. Il y en avait de très jeunes, remarquables. Tu cherches la puissance derrière celui qu'on nomme le Destructeur. Tu trouveras les réponses à tes questions et la source de sa puissance, là-bas. Tu es donc si pressé de mourir. Tu n'es même pas l'ombre de toi-même. Ce serait du suicide pur et simple. De plus, le chemin qui mène à la tour est enveloppé de magie obscure. Je ne le connais même pas moi-même. Qui alors ? Satisfais ma faim. Et je satisferai ta curiosité. Collecter 500 âmes. Tu me fais perdre patience, cavalier. Cherche le trésor. Apporte-moi les armes. Alors, légende, ça c'est les coffres. Les boss, artefacts. Ok. J'en vois un là-bas. On va faire ça puis on s'arrêtera là. Donc on va lui donner 500 âmes, c'est par là ce que je veux dire, arrêter là. Pas vraiment de dégâts pour le début du jeu là. Donc là je suis en pure découverte, hein. Je ne l'ai jamais fait ici. Alors, j'avais juste fait un peu le début, c'est tout. Je fais juste un peu le tour bien sûr. Tiens. Nager. Je sais pas si on a du souffle dans le jeu. Je ne sais pas. Ah, par là. Voilà, c'est des petites âmes. Pour 135. Ouais, je pense qu'on va juste faire déjà le tour de tous les coffres. J'ai envie de tous les prendre et on verra bien après tout ça. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, y a rien, j'ai cru. J'ai cru voir. Et de deux. Comment je peux monter là-haut?
pas par là. Non, c'est pas par là. On verra bien après. Oh, un nouveau. Bonjour, toi. Et voilà. Nice, je savais pas qu'il y avait des hommes là-dedans. Est-ce qu'il y a des hommes partout maintenant? N'importe quoi. Emporter les âmes à Vulgrin, je sais, mais avant. On va récupérer les autres. Nous avons assez d'âmes pour satisfaire Vulgrim. Il va peut-être satisfaire notre curiosité. On peut voter ces attaques-là, je crois. Oh les dégâts. Voilà. Il y en a... Pardon, il y en a un là-bas. Coffre de vie, ok. C'est un coffre quand même. Pas d'artefact ici, non. Ici, c'est quoi? C'est de la vie, mais c'est pas grave, on prend. Du coup, on remonte. Et puis, du coup, il me reste un. Comment je peux l'avoir celui-là? Comment puis-je l'avoir? Ouais, c'est pas tout de suite à mon avis. Ces anciennes portes savent ce qu'elles veulent. Mais avec ce sort, tu peux peut-être trouver un arrangement. Au-delà de la porte, trouve la prison de Samael. Autrefois, la puissance de Samael était proche de celle du prince des ténèbres. Supérieur. Découvrira qu'il n'apprécie guère le destructeur. Rejoins-moi quand tu auras réuni plus d'âmes. Je serai récompensé. Déplacer les montagnes. Pour le moment. C'est tout pour le moment, comme quelqu'un, comme certains diraient. Crieur. Capacité passive. Oh merde, non, fais chier. Oh, fais chier, désolé pour ça. Ah, ces logiciels à la con qui font alt tab. Mais ce coffre là je peux pas encore l'avoir. Donc il y a cette zone ici je crois.
On va y voir ce que Yulgren a à nous offrir et on s'arrêtera là. En chemin, tu trouveras peut-être des objets qui m'intéressent tout particulièrement. Des artefacts de la Légion perdue. Si tu trouves des artefacts de la Légion, apporte-les-moi. Je saurai être reconnaissant. Plus 500 âmes. Mon vieux Vulgrim a quelque chose pour toi. Es-tu venu jusqu'ici pour me faire perdre mon temps? Es-tu venu jusqu'ici pour me faire perdre mon temps? Alors. Ok. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout, vous abonner à la chaîne. C'était TheZotel pour la chaîne du bon HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.